Sans commenter encore. La dernière, je suis en train de la poster sur YouTube. On a perdu 56 euros. Mais bon, parce que j'ai pas fait de stop loss, je vais vous expliquer. Je vais rentrer les noms vite fait ici, là, avec ce dealer, qui est patronat, celui-là, je crois. Sept, 24, 1, 2, on va miser tout de suite. On va pas attendre. On va commencer à partir d'ici. Vingt-quatre, un, on a oublié le 30. J'ai oublié le 30. Je vais regarder si ici c'est toujours en haut. Ouais, toujours en haut, il est sorti. C'est pas beaucoup, hein. Je vais pas jouer. Je vais rester sur le système basique. Je vais pas rajouter une voix haute. À moins 25 assez haute, là, mais. Il s'agit de remonter là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, on a les cheveux froids, ce qui est super pas. Faut que je mette. Faut que je mette ces 25 là. Parce que c'est un nombre qui est en dessous en fait. Donc, s'ils sortent en doublette là en plus. Ce croupier, apparemment. 22. Je vais mettre ce 25. Donc, j'ai posté une vidéo où je suis en perte de 56 euros. Vraiment, j'aurais pas dû. Voilà. Il y a une session que j'ai entre. Déjà, la vidéo elle dure 6 heures sur YouTube. Donc, imaginez que la session qui était au milieu, j'ai supprimée parce qu'elle durait 6 heures. C'était pas la peine pour YouTube. Donc, j'explique tout ça dans la vidéo de 6 heures qui vient d'être postée. Mais j'étais monté à 435, un truc comme ça. Il aurait descendu à ce capital-là. Mais au moins, sur l'ensemble de vidéos, j'ai perdu quand même. Parce que j'ai pas fait stop-win, j'ai perdu quand même sur les gains 56 euros. On a 0 ici. Là. Oui, ce croupier, ça va à peu près, 24-1. Je vérifie les nombres que je mets à 2.
On est à 3 aussi. On va le mettre au musée. 6. Ben, j'étais à 3. C'est pas facile en ce moment la roulette là. Il est découpé, il ne faut pas jouer. Il y en a un sur une sur la spirouette, il ne faut absolument pas jouer. Et un croupier sur cette roulette-là, il ne faut absolument pas jouer. Il va être l'enfer total. C'est des bras cassés des nombres. Ce qu'on appelle des bras cassés des nombres. Ensuite, on a un 12. On va le mettre. Bon, cette nuit, on se mettra sur la speed roulette. Hein. C'est là où on prend. On prend pas trop dans la journée. J'essaie de trouver des roulettes qui fonctionnent la journée, mais j'en ai pas trouvé. Speed roulette, c'est naze. Les copies sont naze. Puis celle-là, c'est très moyen. Sur la roulette espagnole, grand casino. Les chevaux évolution des lignes, ils sont trop longs à jouer, limite à speeding. Là, ça va à peu près sur ce hippodrome. La Malta, je la joue plus. Terminé. Même si on est physique. Après la vidéo que j'ai postée, là, vous avez certainement vu sur ma chaîne YouTube. Et là, je montre l'escroquerie totale, l'honnêteté totale de ce qui se passe. Ce casino-là, de Jésus, en fait, sur deux plateformes. Sur ce casino-là, en fait, façon, roulette, c'est une roulette. Il y a quelques casinos physiques comme l'Hippodrome. Il y a la roulette espagnole, là, une grande casino. Il y a la Speed Roulette, il y a qui sont très connus. Mais qu'il faut jouer à certaines heures. J'ai envie de manger 25. J'ai pas envie de galérer des heures là. Tu vois un truc. C'est 6 le plus fort. 25 et la 22 aussi. Il y a peut-être un changement de tendance de choix. Du coriace. On va le foutre. On va bouger. Il est très hot. Il est en train de monter, peut-être, certainement. Merde, j'ai fait un 24 qu'il faut pas que je mette. Et si, 24, pas 24. S'il faut que je mette, alors qu'est-ce que j'ai rajouté, là? Celui-là, j'ai rajouté, mettre ça. Donc là, le 22, là, on tente le tout pour le tout, parce qu'il y en a marre de galérer comme ça. Bon, on va quand même pas tout perdre, hein, évidemment. J'ai rajouté le 22. On a 4, 5 ans demi sur le tapis. Alors, le 22 et 25 font pas partie du système. Mais j'en ai un peu marre de galérer, là. Ça fait quand même 2 jours de galère. Bon, hier, j'aurais stoppé à 4h35, ça aurait été, on serait pas là, évidemment. On serait un peu plus bas. 50 boules, 435, on serait la banquerolle initiale, vous avez fait que 79 euros de gain dans une vidéo. Non, mais les 22 euros, il serait très souillé. Hein.
monter 435, moins 56, je pense qu'on avancerait si j'ai fait le stop win. À peu près, on est à 435, on fait 44 euros de gain en plus des 79 euros, moins 56, je calcule. On serait à 379 et pas à 350. Avec les pertes d'avant. On est parti 312 au départ. Voilà. Les 0, c'est très bien. Voilà. La petite histoire. C'est bien. 0, je sais pas où on est, mais. Ils sont pas beaucoup dessus, là, je crois. Bon, moi, je fais des très longues sessions, vous avez vu, hein. Vous pouvez faire des courtes sessions. Si, avec ce système, on est obligé de rester longtemps. C'est un système qui est très stable, on peut rester très, très longtemps. C'est pas un problème. Bon, 0-20, c'est un classique, hein. Enfin, le final, 0, 10, tout ça. Faudrait le 0. Voilà. S'il est très froid, le 0, je méfie de ces, je vous dis, je méfie énormément du nombre 3. Il est quand même très froid. Je vais le retirer, et s'il ressort, je le remets. Il est quand même super cool. Donc je vais le retirer. Le prochain coup, je le retire. Parce qu'il m'a l'air de pas se réchauffer. Mais par contre, s'il ressort, je le remets. Le retirer. Je bon, je vais retirer ce zéro. Et puis s'il ressort, je vois le croupier là, je veux pas jouer le chauve là. Dans la roulette, c'est le chauve. Ils appellent comme ça parce qu'il n'y a pas de nom. Donc, ils mettent pas de nom le croupier. Ils sont pas le chauve parce qu'il y a les cheveux. Elle n'était pas drôle, celle-là. Alors, si c'était 22-25, ils sont vraiment très, très en forme. 25 un peu moins. Le 6, je ne joue pas, malgré qu'il soit là. Ça sert à rien parce que. Ce qui est hyper important, je vous explique, c'est regarder les fréquences de sortie. En fait, c'est classé comme ça parce que le 6, il a dû sortir plus de fois avant que le 22. Mais là, comme les tendances, elles changent. Vous voyez, ici, le 22, il a peut-être passé devant, mais parce qu'il est en train de se chauffer grave. Donc, c'est hyper important ce tableau-là. Et pas seulement ça, vous voyez ce que je veux dire. Regardez beaucoup ce qui se passe ici en fonction de ce tableau ici. Là, ils vont miser le 22 plus le 6.
D'ailleurs, c'est le numéro qui fait miser, c'est 22. 25, un peu moins, déjà. Mais, surtout ce qu'il faut miser, c'est 22. Et pourtant, vous voyez, il est pas au top du classement. Dans les odds de 500 mondes. C'est comme ça qu'il faut jouer. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est comme ça que je joue le monde. On est à 27, là. Ouais, 13. Il y a 27 qui est rentré, là. Avec ce coup de pied. Alors, 13-22, c'est un classique, vous savez. Je vous ai expliqué dans une vidéo où j'explique les systèmes de monde. Que j'explique tout maintenant sur YouTube. Le système que j'utilise là, en fait, ceux qui écoutent cette vidéo et qui n'ont pas vu les autres. Le système que j'utilise là, en fait, un système expliqué dans la team de Dan, de Roulette Elite, qui est sur Discord. L'inscription est gratuite. Hein. J'ai un lien en privé. J'explique ce système que j'utilise. C'est un système qui joue en casino terrestre. Là. Le 27, là, il parle même pas de 27. Qui est certainement le meilleur système que je connais sur le moment. Le plus stable, en tout cas. Qui est inspiré d'un système d'un grand professionnel, je le répète. Lui, il joue, peut jouer un peu comme je joue là, mais il joue tous les bords. Moi, je les joue pas. Mais c'est important de connaître ce système parce que c'est un système extraordinaire. Toujours même là, on vérifie si c'est le même croupier. Hein. On se passe pas. Le chauve, il n'arrive pas là derrière, là, qui est tout à l'envers. Alors, certains grands professionnels, comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, qui jouent pas comme ça. Là, je parle vraiment des professionnels de casino terrestre. Qui jouent pas comme ça, qui jouent souvent les répétitions de nombres. Par exemple, le 22, ils vont jouer tout le temps. Ils vont en jouer qu'un. Ils vont mettre des paires de 5 balles dessus. 28, c'est ça. Ils n'ont pas ce numéro. J'ai bien expliqué l'histoire de 28. C'est un numéro qui est hyper traître. Je vais pas le mettre. Enfin, pour moi, je le considère comme ça. C'est vraiment un numéro qui est, dans l'ensemble de ce que j'ai vu pendant des années, ce 28, il est extrêmement pernicieux, en fait, parce que il est complètement imprévisible et, là, comme là, par exemple, c'est un numéro qui est, moi, je trouve qu'il est vraiment à part d'autres numéros, ce numéro-là, 28. Après, ce que je dis, c'est subjectif. Voilà. Et moi, c'est ce que je pense. Alors, des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. Mais là, apparemment, il a l'air de sortir. Alors, donc, voilà, il y a un professionnel. Lui, il va jouer 28 et 22. Vous voyez ce que je veux dire? Il va jouer les répétitions, qui sont les plus fortes. Certains grands professionnels vont ne jouer que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont miser 5 balles dessus. C'est le truc, c'est le truc en fait, c'est où vous faites comme moi et ils essaient de grimper sur la durée. Voilà, vous jouez vraiment. Les tendances du moment sur des numéros très forts comme le 22 ou le 28, les répétitions comme ça, et vous misez pied de 5 balles, alors peut-être pas, il manque le 300 euros, mais à 500 euros, vous pouvez le tenter le coup. Parce que quand vous le prenez, c'est 180 euros qui rentrent.
moins les 5 balles, 175. C'est comme ça, 175 exactement. Donc, c'est du gain de temps de gagner, et vous faites votre journée avec ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, moi, je joue pas comme ça. Il faut le faire avec le même croupier. Attention, dès qu'il change de croupier, vous l'arrêtez tout de suite. C'est vraiment des systèmes là qui sont faits avec des croupiers spécifiques. Quand ils triplent et non comme ça, 28, 28, 22, 22, 22. Comme ce croupier là, ce qu'il est en train de faire, par exemple. Bon, c'est une technique, hein. En casino terrestre, je ne sais pas. Bon là, c'est un casino terrestre, parce qu'il y a des gens qui sont sur le tapis, sur online. Mais là, le système que j'utilise, là, n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. C'est un système qui joue sur les secteurs. Avec des nombres isolés et des, il y a une manière de le faire. Et avec des bords. Des bords de secteur, en fait. Il a fallu me mettre sur le 22. Il l'a pas fait. On a 14 et 9, là, où j'ai mis. On va être un peu chargé, mais. On va être un peu chargé, mais on a quand même un 22 ou un 28, un 22 et un 25 pour récupérer. Enfin, des idées comme ça, d'accord. 31. Faut que j'ajoute le 14 et 9. J'espère qu'ils vont pas. Là, s'ils mettent le show, c'est l'horreur. S'ils mettent le show alors que je suis à 5,50 sur le tapis, c'est vraiment pas de chance. Hein. Moi, j'ai obligé d'arrêter. Je ferai un spin avec le show et puis j'arrêterai. Si je le prends pas. Là. Très compliqué hein, en ce moment, la roulette, là. Sur cette zone même, je vais rester à 5,50. Espérons qu'ils vont mettre une triplette à un moment donné. Bon, le 22, je ne vais pas le gonfler pour l'instant parce qu'on n'est pas encore assez descendu, donc je n'ai pas besoin de le gonfler. Le booster, je veux dire, c'est pareil. Mais là, on est. On rame, on rame, on rame. Espérons qu'on récupère sur la spiroulette ce soir, la nuit, parce que les coupés sont pas trop mauvais. Pas le jour, hein, ce que je veux dire. Mais la nuit, vers 2 heures du matin, une session de coupés là qui sont pas trop mauvais, qui me fait prendre, qui me fait vraiment grimper. Ouais, on n'est pas très bien. C'est 26, je sais pas ce qu'il faut, c'est 26. Tout le temps vérifier ce qui se passe, hein, tout le temps observer, tout le temps checker. Voilà, putain. Ah, puis c'est dit, c'est plus 25, c'est 26. On s'en sort. On sort pas, là. On va laisser le 22. Parce que c'est lui qui est sorti le plus.
Le 25, j'ai envie de le remplacer par le 26. Je sais pas exactement, je vais mettre à cheval. J'ai envie de les mettre à cheval pour récupérer la mise. C'est ce que je vais faire. Le 25 et 26, au moins on récupère les deux. Bon, évidemment, c'est le 25, 26, 22, ils sont pas dans le système. Tout le reste, c'est dans le système. Le système que j'utilise. Mais c'est vraiment complexe, là. Ils sont pas très gentils avec moi, les pompiers, là. On va le 1. On va garder le split ici. Là. On va garder le split ici. Bon, ça va nous permettre d'alléger le. Peut-être mettre. Je sais pas exactement, je vais afficher à ce que je fais. Là. On va garder le 1. Si on peut récupérer un 9 euros sur 26 et 25, c'est très bien. Vous avez compris, hein, je mets 25-26 en split pour essayer de récupérer de la ville, pour pas être à 6 euros sur le tapis qui serait un peu sur une 3 à côté, je vais perdre trop de jetons. Je préfère faire comme ça pour l'instant. On va virer le 1, on sera à 5 euros. L'un d'eux va sortir après le 13, peut-être. Bah, je vais le gonfler. Je sais pas, je le sens comme ça. On a viré là, on peut se permettre de mettre 5,50 sur un grand maximum quoi, sur le tapis pour l'instant. On passe sur le maintenant, c'est sûr et certain. On continue. Vas-y, je suis bien au niveau de. Je rajoute ça pour essayer de t'équilibrer par rapport à ce que je perds. Comme j'ai dit ici, je ne peux pas le faire ici. On a pas les 50 centimes sur le, par rapport à ça, on a pas les 50 centimes sur le 22.
vraiment très complexe en ce moment, la boîte. C'est rien à faire. Il y a 6 mois, rien à faire. Un peu 31, 31, c'est parce que vous avez compris, hein. Il n'y a rien à voir avec tout ça, 31, faut pas le jouer. C'est pour essayer de voir où j'en suis au niveau de la banque par rapport aux pertes. Il sert comme un compteur de ça, en fait. Bon, là, c'est vraiment compliqué. C'est horrible en fait. Ça a changé de copier. Mais lui, il n'est pas chaud, donc ça va. On continue à jouer comme ça. Sans le 22 fois, moi je vois. C'est pas parfait. Il va rester basé sur le numéro chaud. Bon. Il y a un 10, 23, vous notez bloc, là, ça change de copier. Le 19, 4, c'est pas sorti. Dans les blocs. J'ai réinitialisé mon papier. M'a fait Excel, vidéo. Je sais pas quand c'est que ça a changé. Je mets 20, 20, 70, 20. Tellement compliqué là. L'anglais, c'est le moment plus fort. Il est tellement sorti, je me mentis. Ce vin là, il me fait un peu peur. Une doublette comme ça là. Donc il arrive, il met 2 fois 20, je pense que c'est du pencil, 2 fois 20. Pas sûr d'y arriver. On met 26, c'est déjà ça. Bon, finalement, là, on a tout perdu, les gars. On était à 312, en banquerolle initiale, hein, je vous épargne, les autres. On a grimpé à 395, on est descendu, on a regrimpé, on est passé à 435. Je trouve inquiétant ce mot. Quand il me fait ça, c'est toujours ça à récupérer. Alors là, j'ai raison de laisser les mises, mais vraiment, il ne faut pas le faire. Vous avez expliqué. Hein. Mais là, je le fais parce qu'on a tellement galéré que on n'a pas assez de prix de nom. On peut le faire que dans cette condition-là, si un coupier vraiment il nous met tout à côté. Ce qui n'était pas vraiment le cas du coupier d'avant, puisqu'on est rentré en plein milieu de sa session. Mais j'ai pris la décision de laisser les mises.
et qui était une bonne décision, peut-être un coup de chat. Je sais pas, comme ça, j'en ai coupé, on peut peut-être appeler ça un coup de chat. Bien que ça joue quand même technique par rapport au système. Mais... Bon, deux, c'est pas un coup de chat. Hein, mais... Un, je veux bien, mais deux, ça commence, ça prouve que le système, même quand on ne réinitialisait pas, ça peut fonctionner, mais il ne faut pas le faire normalement. Il faut vraiment réinitialiser à chaque fois. Et je vous explique pourquoi des fois je ne le fais pas. J'ai expliqué dans la vidéo précédente alors pourquoi des fois je ne le fais pas. Dans des cas exceptionnels. Mais là, j'ai tenté le coup. Je vous dis, j'ai tenté le coup. Ce n'était pas un cas exceptionnel, puisque ils ont choisi de pied assez rapidement après ce que je viens de rentrer dans la session. On dirait ce 27, là. Ça nous allégeait tout, là. 25, 26, j'ai mis en split. Bon, il est tout dedans, là. Il est tout dedans. Ça n'est rien à comprendre. Des fois, ça n'a rien à comprendre. Change le pompier, il en met trois dedans. C'était pareil la session d'avant, c'est la même chose. Pompier, il rentre, j'ai laissé les nombres, il met les trois. Comme ça. Bon, le record, c'est avec ce système-là, là, parce que là, il joue les nombres du système, hein, que je joue. Le record, c'est 3. Donc, on peut s'attendre. Hein. Si on prend le 22, je compterai pas. Parce qu'il n'est pas du système. Mais s'il m'en met, s'il me remet, un 12, ou il me met un 2, un 3, il aura battu le record. C'est 3 max, hein, en général. Là, je m'attends à perdre. C'est la deuxième fois que ça m'arrive qu'un coupier comme ça rentre et puis non mais le premier c'est encore pire parce que dès qu'il est rentré il m'a mis les trois comme ça. Lui on a attendu quand même 2-20 pour qu'il en mette trois après devant. Ouais. C'est quand même relativement rare qu'on mette quatre. C'est pas rare, j'ai jamais vu pour l'instant. Il y a un 6, il a mis. 34, on va laisser comme ça, 25, 26, je sais pas quoi faire là, on lui virait le. Je dirais que ça sert à rien. J'ai envie de mettre le 20 à la place. Ça m'en fout. Je suis à 5,50, je suis pas trop mal. Donc j'ai rajouté 6 là. Je vais le 31 d'ailleurs. Non, pourquoi je vais pour l'instant parce que je suis à 1 là-dessus. Il y a 16 euros de perte à peu près, ouais, ça... j'ai un peu plus de pertes. Le début de la session. J'enlève le 12. Par contre, je vais l'enlever. Parce que j'ai rajouté un 20 aussi. Je rajoute. On est où là? On est en 2027. Personne ne peut comprendre. Mais un des noms du système que j'utilisais, mais qui a déjà été joué. On a chopé le 22, là. Le 20. Le 27.
25, pas je n'aime pas. Celui-là, c'est encore la permanence d'amour. La permanence de l'autre croupier, en fait, qui est en train de me jouer. La 35, là. Qui arrive. Il est rentré sur le 20, lui. Le 26 est déjà sorti. Mais on ne va pas compter puisque c'est un nouveau croupier. On est rentré sur le 20, je crois. Le 20-20, en fait. Par contre, il y a 35. C'est réglé, ils ont dit. Enfin, c'est réglé. Il n'y a jamais rien réglé à la roulette. Ça, c'est le seul système que je connais où on peut rester à long terme. À ma connaissance. Ça veut pas dire que vous allez gagner. Ça veut dire que vous allez rester stable. Si vous restez en masse égale, attention. Si vous commencez à progresser, là, ça peut être très dangereux. Alors, vous pouvez cartonner ou alors perdre. Pour ça, je reste en masse égale. Bah, tant qu'il me fait ça va, on est content. Hein. Ça fait déjà deux qu'il m'en met dedans. On va enlever le 3, il est plus bon. 2. 2. On va enlever ces 3. Tant qu'il me fait ça va. Il joue la permanence d'avant. C'est un truc de fou quand même. On aurait réinitialisé, on serait simplement à 50 centimes sur le 6. C'est tout. On aurait raté tous ces nombres. Mais bon, vous savez, après c'est un choix personnel. Faut le sentir, quoi. Faut... Vous voyez, dans la mesure où le coupé d'avant, il venait quand même pas mal à côté, mais on était en plein milieu de la session. On était en plein milieu de sa session à lui. Moi, ce que je vous recommande par rapport à ce système, c'est réinitialisation, sauf en cas exceptionnel, vous avez subi un enfer comme j'ai subi dans la session d'avant, qui met en ligne sur YouTube, où je tombe sur le show, là, où il me met 22 nombres à côté. Il spin 22 fois, jamais vu ce système. 22 nombres à côté. Il faut quand même le faire. Il n'a pas fait que ça. M'a tout mis à l'envers après. J'en prenais un tous les 16 pins, un truc comme ça, c'est une horreur, en fait. Là, on va virer le 35.
On a la main de suite. Par contre, c'est que le 7 qui rentre avec ce coupier. Donc, on va virer le 35. Et on va mettre le 28. On va pouvoir virer le 2 aussi. 2-22, hein, j'aimerais bien qu'ils mettent 2-22, l'événement 2-22. Mais des fois, le 2 peut remplacer le 22. Et même si l'autre est très fort, dans des événements, il peut le remplacer. Et puis c'est le 2 qui sort, c'est le 22. Ouais. On va regarder ça comme ça pour l'instant. Le 2, je le virerai quand même. Voilà, 22, boum. On l'a pas volé, celle-là. Celle-là, on l'a pas volé. On va rester comme ça. On l'a très bien joué, ce 22. On va laisser à 1. J'ai même pas parolé, j'ai pas besoin là parce qu'on est quand même un peu grimpé. Donc là, je vais mettre deux fois 22, 22. Je vais enlever le 31, mais je dirais que ça pue rien, ce 31. Maintenant. On avait 38 euros, je vois comment il a 38, c'est quoi ça? 38 euros, 300, ma calculette, 5 plus 38. Plus. Merci. Ouais, on est à 2 euros plus de ce qu'il avance, lui. C'est normal. On va laisser le 22 comme ça. Un tour, deux tours. Le 2, fallait l'enlever. Parce que je ne pense pas qu'il y en aura. Non, il m'en met 35. Bravo. Ça fait deux fois qu'il me fait ça. Hein. Il a fait pareil que le 27. Hein. Il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il m'a fait le même schéma. 27, on l'a mis dans le système. 1, 2, 3, quatrième, il me ressort. Le 35, on l'a mis dans le système. 1, 2, 3, quatrième, il m'en sort. Incroyable. Mais vrai. Ouais. On va le mettre. Moi, j'ai mis le 20. S'ils peuvent m'en mettre un 22, là, ça sert vraiment bien. Avant que le show il arrive et qu'on se casse. J'espère que c'est pas le show. Les mains, elles ont changé, j'ai l'impression. Je délire. C'est quoi ça? Va pas être le show, à mon avis. Le show, il va jamais me faire ça. Allez, donc le 22, en fait, là, maintenant, on va le baisser. Sert à rien de prendre des risques. Hein. On est un peu grimpé. On va donc baisser le 22. On a récupéré 50aine d'euros là sur la session d'avant, mais
Je vous dis, à l'époque, on démarrait d'un capital de 312. Donc, on est de toute façon positif. Hein. Mais bon, ça me fait chier parce que, c'est sûr, on n'avait pas 391, et puis, on a descendu. Et puis, hier, on est monté quand même à 435. Puis, on est descendu à 330. On a fait le yo-yo un peu. Sur ce casino, je vous dis tout de suite, hein, il y a un bonus qui est valable, il y a 100 euros de bonus qui m'ont filé, en fait j'avais mis 212 de solde. Un truc comme ça. Et les 100 euros, ils vont me les retirer après. Donc, tout de suite, si, c'est un casino qui marche comme ça, il ne donne pas les bonus. Il les donne pour faciliter dans les descentes, mais à une certaine date, il les retire. Il y a un, le mettre. J'ai mis deux fois, merde. Mettre en visée, là. Qui est là, on va être en visée. Si je perds celui-là, ça va en même. Bon, je ne perds pas. Donc, on va le prendre en compte, évidemment, dans notre prochain visé. Je sais pas pourquoi, mais normalement, le 30, il n'y est pas. Attendez, excusez-moi. Moi, j'ai mis 30. Une raison. Ça, ah ouais, j'ai mis le 30 parce qu'en fait, c'était la session d'avant, en fait. La session d'avant, beaucoup plus d'avant. Parce que là, il n'y a aucune raison d'être. Oui, c'est ça. Je joue les nombres d'avant, les nombres de coupés d'avant. C'est ouf, quand même. Il en joue même beaucoup, d'ailleurs. J'ai rarement vu ça. Ce vin, il ressort pas, hein. C'est un peu des bouffes, le vin. Il se bouffer la gueule un peu, là. Je le trouvais inquiétant, mais finalement, il est pas si inquiétant que ça. Voilà, c'est bien, ça. Là, ça marche bien. On y croit. On va quand même faire un stop là, un stop loss, un stop win, parce que j'ai pas envie de grimper à 430 et tout, descendre, pour montrer que ce système est quand même incroyable. C'est passé hier, hein, j'ai grimpé comme ça, petit à petit à 430, et après, j'ai pas fait stop win, et puis, déjà, on va prendre le jeu. Cette session, on est déjà à 71 euros de gain. Donc, on va faire quelques spins encore. Tant que le coupier ne change pas. Pas 60 euros de gain. Sur cette session-là, oui, parce qu'on a récupéré, mais on est, comme j'ai des pertes avant, pour être honnête avec vous, on est parti de 391 dans la session de vent. On est mort sur YouTube, donc on n'a pas gagné grand-chose. 391. Pratiquement 15 euros.
pour plus de 10 heures de session, on est compte. Par rapport au gain d'avant, je veux dire. Mais sur l'ensemble, on a quand même pris une centaine d'euros quand même au capital du départ. Un peu moins, hein, je crois que c'est 312, 406, un peu moins de 100 en quelques jours, 2 jours, comme ça. Mais dans session très compliquée, attention. Vous imaginez quand ça se passe bien avec ce système. C'est pas parce qu'on a pris un 22 que ceci, non. On n'aurait pas joué le 22, ça aurait duré plus longtemps, mais je pense qu'il y a des couplets comme ça qui commencent à nous mettre dedans, à nous taper les nombres. Ça reste un peu plus longtemps, mais on se rend à ça. Parce que soit on tombe sur des couplets comme ça, ou nous mettre dedans, ou soit on tombe sur des couplets, mais tout à côté. Faut vraiment que je vérifie, il faut vraiment que je surveille ça. Si le sauve, il n'arrive pas là, c'est la bête noire. Et j'ai décidé de plus jouer. Mais je ne joue plus jamais les choses. Ah, c'est chiant, hein. Il a soupiré. C'est toujours le même. Donc, il y a un 21 qui tombe. 30, on va l'enlever. Un 21, je veux dire, dans le truc. Donc, le 30, on va l'enlever. Et on va foutre le 21 à la place. Non, c'est pas le 24. Le 24, je l'ai, hein. Mais 4-24, s'il peut faire cet événement, ça serait bien, là. C'est ce coup-là. Le 20, c'est les roufs, hein. Il a fait un coup de spectacle et puis il disparaît, même. Toujours en haut, mais ça va rien. C'est le 22 qui est intéressant. Ouais, il en fait dans les shows, mais enfin, il faut que je regarde. Il faut regarder ce que c'est que ce nom. Ah ouais, l'autiste. Chaque fois, il pousse une gueulante, le mec. C'est chiant, hein. C'est chiant quand ça tombe pas dedans, quoi. Je vais regarder ce direct. Il n'est pas bon, ça, de lire. On va virer, ça va alléger tout ça. Là, c'était un gros coup d'esbrouf, je crois. Le 20, c'est un frimeur. Il fait pas le poids à côté du 22, bien ce que je veux dire. C'est le 20, c'est en fait là, s'il nous a fait un gros coup de frime, là. Est-ce qu'il voulait se retrouver en haut? Mais il fait pas le poids. Toujours le même. On vérifie le crâne. On n'y a pas marqué les noms. Alors le 20. Très bizarre ce 20 qui reste en haut comme ça. Voilà, il est en train de sortir. Il nous a fait un gros coup de film. Un gros coup de film de merde. C'est un numéro franc en plus.
Il a voulu dire aux autres, c'est moi le meilleur, regardez, j'arrive, mais il sort plus là. Il a fait un gros coup de film de spectacle. Il le laisse en haut, chez... voilà, il est en train de redescendre. À mourir de rire. Il sort de la boue pour tout ça. La boue des yeux, il est complètement sorti. Hein. La boue des 18. Désolé. Hein. Les tocards du monde. Gros frimeur. On va laisser une fois le vin. Peut-être toujours le même. Hein. Oh, la tronche, la tête, là. 22, 20, 28. 28, il est dans le système. 22, 20, non. Le reste, oui. C'est une armée de 30. Ça s'est appelé. Bon, coupier. Allez, on peut se permettre de respiner. Ce 14, il appartient à la permanence d'âme, je vous dis. Non, il appartient à cette permanence, oublie de le retirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai oublié de le retirer. On ressort les nombres. Non, celui-là, en fait, il appartient à sa permanence à lui. Il est sorti. Mais il me retire les nombres. Je sais pas ce qu'il fait. Il redouble les nombres de ce que je dis. Soit c'est rare. Hein. C'est quand même rare ce qu'il fait. Normalement, non, il est un peu unique ce coupier, là, ce qu'il fait là. C'est pas imprévisible en fait. Donc, du moment qu'il met dedans, on fout du reste. Sort toujours deux fois les nombres et puis après il sort plus. Le 20, c'est à moi de revenir. Ouais, il aurait pu le mettre là d'ailleurs parce que c'est pas un bon nombre. Un nombre de francs en plus, qui a fait son show. Non, on ne fait pas rien quoi. Ah. Tu dis peut-être qu'il peut revenir, mais il va pas revenir, mais ouais, il est pas loin du secteur là. On va laisser encore une fois. Il y a deux poches du secteur. On a 1 heure de vidéo. 50 euros de récupération. De gain, en fait. Je sais pas comment faut compter les sessions, en fait. Faut compter par session. Ça mettrait 50 euros de gain. Pour les sessions successives, en fait. Pour l'instant, on a pris que, par rapport, on a pris 1 centaine d'euros. 12 euros près. Au départ du sol, initial, boum, on va le rester. 24, ce coupier est pas mal. J'ai ici le 14, alors j'ai pas, je vais
Parce que je sais pas ce que je dois faire. L'état de ces 14. C'est plus le 20 qui est inquiétant, c'est le 14. Il est plus risque 14. Il y a le 16 par contre. Après le 24. Le 7. Voudrais le 14. Je vais mettre le 16 à la place. Bravo le vin. Hein. Tu nous fais le show et puis il ne sort plus, quoi. Il y a un 8 maintenant. Je vais virer ce vin. Hein. Allez, je vais le laisser encore un peu. Moi, je leur parle au numéro 1, parce que. C'est un peu fou, quoi. Je leur ai dit, alors le vin, tu fais ton show, tu reviens pas, tu te fous de ma gueule, quoi. La honte pour toi. La honte pour le vin. Peut-être qu'il va m'entendre. Il n'a pas apprécié, il va sortir. C'est honteux. Quand on fait le show, on y reste. Je rigole, mais bon. Tu vois, t'es. Voilà. Tu veux faire le show et tu te fais massacrer par les boutons. Rigolo. Ouais, le 24. Je te laisse encore un peu, après je te vire. Hein, parce que t'es trop mauvais, là. T'es trop dégueu. Hein. Tu frimes. Tu veux jouer les frimeurs et t'es pas de taille, quand même. Là, tu te fais massacrer par le site, tu te fais massacrer par tout le monde. Et tu restes en deuxième position. En pole position. Parce que là, c'est certainement une erreur d'évolution du ring. Parce que là, t'es tellement ridicule. Je lui parle en vrai. Alors le vin, t'es où? T'es rigolo. Baltringue. Ton même dealer. Hein. Je déconne, mais je suis sérieux en même temps. Regarde-moi comment t'es ridicule, le vin. Regarde-moi où t'es rigolo. Regarde ça. Beaucoup de frime. Je sais pas pourquoi il est en train de descendre. Comme ça. Je le laisse une fois, puis je viens. T'as un baltringue. Frimeur de merde.
Peut-être qu'il ne va pas apprécier du tout. Il va dire, ah non, c'est comme ça, tu fais comme ça, tu vois. Je fais exprès, hein. C'est jamais des fois qu'ils m'entendent. Les mecs, ils vont dire, ils sont fous, ce genre de roulette. Ils parlent au nom. Ouais, je parle au nom. Il y en a qui parlent bien aux fleurs. Moi, c'est plus compréhensible de parler aux fleurs qu'au monde. Surtout pour une femme, et comme je ne suis pas une femme. Voilà, je dis des conneries. C'est pas tant des conneries que ça. Alors, le vin, là, t'es où, là? Rigolo. Je le dirais, t'es nul. Alors, je mets le 13 à la place. T'es tellement nul, je te remplace. Hein. Tellement naze. C'est là qu'il va sortir. C'est là qu'il sort le coup d'après. Il y en a 5, on ne l'a pas revu. Heureusement que je n'ai pas misé. Pourtant, il est chaud, hein, on est, et puis là. Il n'y est plus. 22, 6, 8, 26, 7. Et 22 qui est. On l'a repéré le 22 de toute façon. Vous savez que lui, il en valait la peine. Ah oui, le 6, oui. Le 6. C'est un chou, le 6. Oui. Ah, putain, il est beau. Ah ouais. Je l'ai mis à l'envers. Je vais laisser le 6. Ben, j'ai mis, il faut virer le vin, c'est bien qu'il ne sert à rien. On va réfléchir. Voilà, ça se fréquent du 6, mais je crois qu'il ne sort pas beaucoup. Il faut virer le vin, mais... Ce vin absolument ridicule. Comme un croupier ou pas? Vas-y, penche ta tête, là, un coup, là. Putain, penche ta tête! Va pas voir, hein. Alors, le 6, là. Faut qu'il sort pas beaucoup, en fait. Il naze. Pense à un numéro qui est chaud, c'est le deuxième. Il naze. On a joué 22. Il est en train de se refroidir, mais vous voyez leurs statistiques là. Pas vraiment que c'est du temps vraiment réel. Réel. Voilà, un truc comme ça, maintenant il devrait être devant 6 à un moment, je pense. Et là, il est devant 6, là. Allez hop, je peux le noter. C'est le même copier ou pas? Penche ta tête, s'il te plaît.
Ouais, c'est bon. Alors, j'ai dit pareil, là. Non, c'est le 22 qui est devant, mais le 6, il est pas terrible. Pas en fréquence, mon style. Il joue pas, quoi. Il a dû sortir avant beaucoup de fois. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il à 500 nombres. Pas enfin, des conneries en fait, c'est pas du temps réel en fait, hein. C'est que c'est sur 500 membres, donc c'est logique qu'il y ait 22-6 en plus. Par contre, si on baisse le curseur, le temps réel c'est ça, c'est si on baisse le curseur. C'est quoi? Non, pas. Bah, je vois le 20, on s'assoit dessus. Comme il faut. Donc, en fait, voilà un truc. Là, je suis pas d'accord. Ça, normalement, c'est la statistique une des plus fiables. C'est même la plus fiable. Je suis pas d'accord. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 sorties. Donc je sais pas. Le 22 devrait être là. On n'est pas vraiment en temps réel. Là. Et... Bon. Tu sais quoi, je vais arrêter là. Ils vont changer de croupier, je préfère. Ouais. Un peu sans boule, le capital du plan. Enfin, le capital de la session, je veux dire. On va arrêter là, ça. C'était comme ça hier, après on est descendu. Donc, on va stopper. Dans la vidéo. Je vais voir si j'ai raison d'arrêter ou pas. Tout 28, il reste ça à jouer, là. Je pense que là, je vais voir si j'ai raison vraiment, mais même si c'est même dealer, je vais regarder si on met un prochain, je vais voir si j'ai raison. Je vais attendre avec vous. Façon, j'arrête. Hein. Donc, une session à 100 boules. Précisément, 200. On parle de 335, on a 435. Mais pas vraiment ça, puisque de la session précédente, on était à 492, bon, après une quarantaine d'euros quand même. On a capitalisé et on a vraiment pris de la session. Du sol du départ, on est parti de 312, on a 435. En quelques jours, on a beaucoup ramé. C'était très dur. Mais on est quand même, avec ce système, on est quand même bien. 25. Ouais, bon, voilà, c'est bien. J'ai bien fait d'arrêter, hein. Voilà. J'espère que ces vidéos commentées, vous mettez des commentaires sans quoi je ne les commenterai plus. Dites-moi si ça vous sert à quelque chose, les vidéos commentées ou pas. En commentaire. Si ça vous sert à quelque chose ou pas. Voilà. Si j'ai pas de commentaires, j'arrêterai de commenter les vidéos. Bon. Alors, bonne chance sur les tables et faites gaffe à votre volume.